Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto, mais alors vraiment un mini tuto, pour vous montrer avec la pâte de Action. Donc c'est de l'enduit instantané. Ça remplace la pâte de structure et franchement c'est nickel. Donc je vais le faire avec vous, comme ça peut vous donner des idées. Donc elle fait 3,99 € chez Action. Alors on y va. Alors, elle se présente comme ça. Donc, vous avez un petit papier au fond. Mais bon, je l'ai laissé, hein, je n'ai fait qu'une moitié. Alors, donc, j'ai pris une vieille feuille. Donc, ça, c'est une feuille que j'ai fait avec les marqueurs paillettes, là. Bon, c'était vite fait. Je voulais juste voir un petit rendu. Mais bon. Je vais prendre celui-ci. Donc, c'est celui de Nose. Donc, je prends de la pâte à structure. Donc sur mon bloc acrylique, voilà. Alors par contre, il faut refermer le pot tout de suite, sinon parce qu'elle sèche très vite. Voilà. Ensuite, alors je vais faire, bon, je vais faire du violet. On va essayer. Donc je vais prendre celui-ci. Je sais plus où j'avais acheté ça. Rainbow. Donc c'est indigo violet. C'est joli parce que ça fait deux couleurs à l'intérieur. Donc j'en mets carrément dessus. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de d'avancer un petit peu. Voilà. Donc c'est sur mon bloc acrylique. Vous voyez, ça commence déjà à... Allez, le zoom. Voilà. Vous voyez, il y a des petites paillettes bleues, violettes. On va mélanger tout ça. Bon, si vous entendez, comme d'habitude, c'est mes chiens. Je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais... Alors, je ne sais pas si vous allez voir les paillettes bleues, violettes. Voilà. Je trouve ça magnifique. Alors, soit vous mélangez bien, soit vous laissez comme ça. En plus, elles se manient super bien. Voilà. Allez, on va aller. Alors, dans quel sens? Peu importe. Donc je prends toujours ma petite carte ici. Alors, on en prend un peu. Hein. Je ne vais pas vous montrer. Donc j'applique sur ma plaque. Alors j'essaye de ne pas trop bouger, ce serait bien. Ensuite, avec ma carte, je lisse le tout. Hop. Et j'enlève mon pochoir. Et voilà le résultat. Franchement, je trouve ça nickel, quoi. On va faire un petit coup de l'autre côté. Comme ça. Donc, je récupère, hop, sur ma petite plaque. Désolée, mais je suis pas très tuto, alors j'espère que ça vous plaira quand même. C'était juste pour vous donner une petite idée. Comme ça, parce que je sais que moi, j'achète mes pâtes de structure en magasin, et c'est vrai que c'est pas donné. Là, pour 3,99 €, il y en a 1 kilo. Ouais, 1 kilo. Donc, il y a de quoi faire. En plus, vous pouvez mettre la couleur, ça la prend nickel. Que franchement, que du bonheur. Voilà, ma petite carte. Hop là. Et voilà. Alors, soit vous laissez sécher à l'air, donc ça sèche très vite, ou alors avec votre pistolet chauffant. Et ensuite, il suffit plus que de rincer et franchement, c'est nickel. Je vais vous montrer. Je fais une pause, je vais la laver et je reviens. Alors, me revoilà. Donc, je viens de le laver. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de traces du tout. Que moi, mes pâtes à structure, à chaque fois, j'en mets partout. Là, ma carte, nickel. Mon petit bloc. Ma petite spatule. Et voilà. Et donc, je vous remonte le résultat. Donc, franchement, c'est nickel. Après, vous pouvez rajouter des paillettes, enfin, ce que vous voulez. Mettre avec de la gouache. Vous pouvez utiliser vos marqueurs paillettes. Avec cette pâte, on peut mélanger de tout. Voilà pour ce mini tuto. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Bye bye!